Yo les gens, c'est Fossoyeur, alors on se retrouve pour un petit Easter Edge PPSH classique plus camo chrome. Alors vous allez me dire, ouais, la PPSH, vas-y, aïe, dans le jeu. Alors dans le jeu, il y a quoi? Quand on va dans les mitraillettes, il y a la PPSH 41. Et moi, je vous propose de choper dans la Magic Box la PPSH classique. Donc je vais vous faire voir. On va mater ça un peu, alors je vais aller dans mes armes. Je vais vous faire voir les mitraillettes. Alors, on trouve la PPSH, et elle s'appelle bien la PPSH 41. Bon, celle qui est à l'écran, c'est une variante, donc c'est une variante de la 41, je vais vous faire voir ça. Donc la PPSH 41 qui nous propose, c'est celle-ci. Plutôt, la PPSH. PPSH 41, c'est celle qu'on peut sélectionner. Alors, il y a les variantes, rideau de fer, en épique, prospérité, en épique, prospérité 2, en héroïque. On a le serpent en épique, le serpent 2 en héroïque, la soupe au canard en épique et la soupe au canard 2 en héroïque. En aucun cas, on trouve la PPSH classique. Donc le gros atout de la PPSH classique qu'on va choper dans la Magic Box, alors vous voyez la PPSH 41, c'est une mitraillette, il nous propose d'équiper 4 accessoires maximum. La PPSH classique qu'on va choper dans la Magic Box, elle possédera équipé les 9 accessoires de sa classe mitraillette. Alors autant vous dire que c'est plutôt une grosse bombe quoi. Franchement, moi j'ai bien kiffé, en plus je suis plutôt un gamer qui joue mitraillette, pistolet et mitraillette, à vous de voir, mais je la trouve vraiment méchante, quoi. Voilà. 9 accessoires équipés à la place de 4, alors imaginez-vous, quoi, le truc. Voilà, donc ça va consister, quand le gameplay va commencer, ça va consister à aller, donc du coup, dans le cabaret, on va passer derrière la scène, et là, on va trouver une coiffeuse avec 3 miroirs. Ces miroirs, ils sont là, en fait, c'est des jeux. C'est 3 petits jeux. Alors, on va passer tout de suite au gameplay, je vous fais voir. Donc voilà, on va au fond, hop, cette coiffeuse avec les 3 miroirs, on se met devant le miroir, on lui envoie de l'argent, on paye le miroir, et là, il nous envoie un petit jeu de lumière. Vous voyez cette lumière? Voilà, elle se déplace, il va falloir appuyer sur carré quand elle repassera à son point de départ en bas. Donc on attend, hop, voilà, grosso modo, j'ai loupé, je repaye. Donc il faudra cliquer carré quand elle est ici. Donc j'ai repayé, le jeu recommence. Ah, j'ai cliqué trop tôt. Vous avez vu une ampoule avant. Donc, je repaye. Je repaye. On se concentre. J'essaie d'anticiper une ou deux à l'avance. Impeccable. Nickel. Donc, vous voyez, là, je l'ai eu. Paf, je passe sur le deuxième jeu. Je paye. Pareil, hein, faut payer. Alors, c'est exactement le même truc, au même endroit, sauf que c'est plus rapide. En fait, le deuxième miroir, le jeu s'accélère. Et le troisième miroir, c'est pareil, le jeu s'accélère encore plus, c'est juste, c'est exactement la même chose, mais de miroir en miroir, c'est juste plus rapide. Donc, je vous ai mis un petit accéléré parce que on va pas tous se taper. Hein. Voilà, je reviens. Alors, j'ai pas validé mon deuxième. Oh, bon, il y a eu une coupure au montage, on n'a pas vu le deuxième, mais il a été validé. Le troisième. Alors vous avez vu, c'est vachement plus vite quand même. Impeccable, validé. Donc là, j'ai validé les 3 défis. Et voilà, les 3 du truc. Alors les miroirs me crachent plein d'argent. Une fois que ça c'est fait, il va falloir faire des boîtes, des Magic Box. Mais il va pas falloir en faire une ou deux ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou 15. Il va falloir faire franchement un gros paquet de boîtes. Donc les boîtes, normalement, sauf celle-ci, la première, je sais pas ce qui s'est passé, mais normalement, les boîtes, je les ai numérotées. Alors, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du nombre de boîtes qu'il a fallu que je fasse pour obtenir la PPSH classique. Donc, prêtez bien attention à ces petits chiffres en haut. Voilà.
Voilà. Qu'est-ce qui se passe? La PPSH version classique. 19 boîtes, les mecs. Passez votre PPSH dans le pack à punch et elle ressort camo chromée.